un gabarit pour fenêtre ronde. Alors, avant de vous montrer mon idée de gabarit pour une fenêtre ronde, un petit peu comme chez Antonio, ben je vous invite, si vous voulez tout savoir sur les maisons bulles, les maisons bioclimatiques, les maisons enterrées et surtout les petites maisons, je vous invite à vous inscrire sur le lien en dessous et pour avoir accès à mes vidéos. Alors, pourquoi je parle de gabarit ? Parce qu'en fait, si vous avez bien vu mon site, hein, j'utilise souvent des gabarits pour faire les fenêtres, hein, pour faire les portes, pour faire les fenêtres, etc. C'est ce qu'a utilisé aussi Antonio sur les photos. Là, on voit des gabarits soit en contreplaqué, soit en métal. Et en fait, hein, je ne sais pas si vous souvenez, j'avais fait une vidéo sur ce genre de gabarits. Et là, je la refais en fait parce que je suis tombé à Ardente, à un endroit où il y en a des tonnes, des tonnes. Alors en fait, de quoi il s'agit? Eh bien, je vais vous montrer. Il s'agit en fait des rouleaux. Des rouleaux qui doivent passer du câble. Alors du câble... câble électrique, j'en sais rien. Vous voyez, ces gros rouleaux là, c'est énorme. C'est énorme. C'est énorme. Alors celui-là, il doit faire... il doit faire plus de 2 mètres quoi. Et ça, ce serait nickel quoi. Ce serait nickel. Alors bien sûr, on peut pas les prendre hein. D'abord, je ne pourrais pas les mettre sur ma voiture, hein, mais il y a peut-être moyen, je ne sais pas. C'est une idée, quoi, une idée. Je ne sais pas combien ils font de diamètre, on va regarder. On va regarder. À votre avis, combien il fait de diamètre? Bah, je ne sais pas, mais moi, je fais 1m83. 1m83, et là, j'arrive pas à toucher le haut. Les bras comme ça, il est énorme. Ça pourrait faire un super gabarit pour une grande baie. Une grande baie comme les baies chez Antonio. Au Serman aussi, je crois qu'il utilisait des gabarits comme ça. Avec les fers qui viennent dessus, quoi. Alors bien sûr, on couperait... Je sais pas. Faut que je me renseigne s'ils sont à vendre. Ou à prêter, ou à donner, s'il n'y en aurait pas un peu... à bosser n'importe qu'ils n'utiliseraient pas, ce serait cool quoi. Ah voilà, donc si vous avez aimé cette vidéo, bah, vous pouvez la partager, vous pouvez cliquer sur le bouton j'aime, vous pouvez surtout vous abonner à la chaîne YouTube, et puis si encore une fois vous avez le lien en bas, si ça vous intéresse de vous inscrire, je vous enverrai des petites vidéos privées. Je vous remercie, je vous dis à très bientôt, ciao. Pas mal celle-là, hein, qu'est-ce qu'on pense? Pas mal. Ouais, je trouve bien.